Le despote Denis Sassou Nguesso a été humilié en Italie. À chaque déplacement du despote congolais à l'étranger, l'humiliation est au rendez-vous. Connu pour ses affaires de corruption et de blanchiment de fonds publics à l'échelle internationale, Denis Sassou Nguesso croyait faire peau neuve à Rome. Hélas, c'est un échec. Il a lamentablement été humilié dès son arrivée à l'aéroport italien. Des personnalités de premier plan l'ont soigneusement évité. Le président du Sénégal a pris le soin de ne surtout pas s'afficher à ses côtés. Il a d'ailleurs pris le soin de trier les photos de ce sommet Italie-Afrique sur sa page Twitter. Un détail non négligeable, Macky Sall compte environ 2,5 millions d'abonnés, alors que le despote congolais peine à avoir 60 000 abonnés, une preuve irréfutable d'un régime illégitime et illégal. Une honte sans précédent pour le despote congolais qui avait tout pour réussir, mais qui a tout échoué. Lorsque l'Italie parle d'établir des véritables projets communs pour un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, le despote Denis Sassou Nguesso va manger de l'argent. Il parle d'aide, comme si il existait un seul pays au monde qui s'est développé avec l'aide financière d'une institution ou d'un quelconque pays. C'est une visite qui vire sans doute au fiasco, comme à l'accoutumée. Denis Sassou Nguesso a terni l'image du Congo. Il a participé à conjuguer la diplomatie congolaise au passé. Plus personne ne le prend au sérieux, ce vieillard sénile aux allures brinque-ballantes. Un dictateur dont la réputation a participé à faire fuir les investisseurs de premier plan au Congo. Denis Sassou Nguesso, une image assez pitoyable, une carrière politique truffée de honte et d'humiliation. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon ?